Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Tutographe Univers et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Clash Royale. Donc ça va être un double tuto pour, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est pour mettre de la couleur sur vos textes et en même temps, aussi les mettre en gros comme l'exemple qui est juste devant. Voilà. On vient que le clavier arrive. Allez, clavier. Bon, on va avoir du mal si le clavier ne veut pas venir. Ah, bah le voilà. Seulement c'est trop tard. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous restez appuyé sur la touche OK. Puis là, vous allez avoir une tête de smiley qui va apparaître. Donc, vous relâchez. Pour moi, c'est les smileys comme ceci. Mais, vous pourrez avoir les smileys, les vrais smileys d'Android. Donc, pour ma part, c'est celui-ci. Donc, vous choisissez un smiley. Bon, je sais, c'est bizarre. Faut choisir un smiley pour écrire en gras. Allez savoir pourquoi. Donc, ce tuto marche aussi sur iOS. C'est exactement pareil sur le jeu. Sauf que le skin du smiley est légèrement différent. Donc, ce que vous faites, c'est que là, vous cliquez sur OK pour envoyer le smiley. Voilà, vous avez la tête d'Android, donc c'est comme ça. Hein, j'ai plus qu'à recommencer. Donc voilà, c'est comme ça que la tête de smiley doit apparaître. Donc en fait il faut envoyer plusieurs messages d'affilée. En fait vous envoyez votre smiley puis après vous écrivez le texte et le texte sera en gras, enfin plutôt en gros, et si vous écrivez en majuscule ça sera encore plus gros. Donc on va essayer, on envoie le smiley, c'est en gros. Là, vous pouvez envoyer. Et là, comme vous pouvez voir, par rapport au texte qui est juste au-dessus, il y a marqué avec de la couleur, c'est plus petit. Et là, c'est en gros. Bon, on va essayer de le faire encore plus gros et en couleur. Hop. Ça, c'est le code pour être en couleur. Mince. Hop, 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 je fais des bêtises. Donc, vous mettez C. Vous ouvrez ça, vous mettez C. Et après, vous tapez le numéro de la couleur que vous avez recherché sur Internet. Alors, vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc, la couleur, vous la trouverez facilement sur Internet en mettant la couleur HTML sur Internet. Donc par exemple, si je prends FF, voilà comme ceci, ou je peux très bien mettre, on va mettre ça par exemple, FF, AAFF, bon on verra bien ce que ça donne comme couleur. Donc là on referme, on met le texte, tiens on va essayer de le mettre, voilà comme ceci, et là, on referme avec un slash C. Et là, quand vous envoyez, bon, ça fait un rose. Mais c'est pas le rose que j'aurais voulu avoir. Hop. Me suis loupé en marquant pour le rose alors que j'ai horreur du rose. Hop, par exemple, on va marquer ça. Et on va envoyer, voilà.
Donc, comme vous pouvez constater, maintenant, sans le bleu clair, il y a une multitude de choses. Bon, je propose qu'on ouvre le petit coffre qui est là. Ça fait toujours plaisir, 30 pièces. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, un squelette. Moyen. C'est moyen, mais ça va. C'est pas la pire des choses. Puisque les... Mince. Non, pas ça. Les gobelins lancent, je m'en sers, donc ça tombe bien qu'on ait trois. On s'en fout, j'ai pas de cochon. Bon, bah, je propose qu'on fasse une petite attaque. Et voilà. Allez, c'est parti, le combat. On va mettre d'abord un petit dragon, puis la Valkyrie. Et on va enchaîner par les gobelins à lance. Ainsi que le mousquetaire. Qui fait quand même pas mal de dégâts. Hop, on va prendre le dragon, le bébé dragon plutôt, pour nettoyer un peu toute la cochonnerie que ça amène juste ici. Puis on va mettre la cabane de gobelins juste ici. Hop, punaise. Bon, bah, j'espère qu'on va gagner. Hein. C'est pas gagné, hein, ça on peut le dire. Oula. Non, je veux pas perdre. Bon, bah, je sens qu'il va falloir bombarder des troupes. Punaise, je sais, punaise. Eh bien, on peut le dire, je suis en train de me faire raplatir. Vraiment un truc de ouf. Non. Ok. Il me suffit de prendre un 3 étoiles. Mais on va faire une deuxième partie. Puisque j'ai horreur de perdre. Allez, c'est parti contre V14. On va tout de suite mettre ça là. Ah bah lui commence avec... Oula, il commence fort. Sinon on va pouvoir gagner facilement. Facilement je sais pas, mais il y a un peu de chance qu'on peut gagner. Allez, hop. Donc j'y suis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur Clash Royale. Bah voilà, ça tombe bien, il y a une étoile. Enfin plutôt une couronne. Donc il y a très très longtemps, j'avais fait un tuto pour modifier les musiques de Clash of Clans et de Boom Beach. Eh bien, ça marche aussi sur Clash Royale. Puisque c'est le même créateur, donc c'est les mêmes fichiers qui ont été créés, juste un petit peu modifiés. Mais c'est à peu près la même chose. Allez, allez, victoire. Et bien voilà. Fallait juste demander. Donc, un petit coffre en argent. Et bien, je pense que le coffre en argent, on l'ouvrira. Je commence à l'ouvrir. Voilà. Mais je l'ouvrirai en vidéo, dans la prochaine vidéo sur Clash Royale. Donc si la vidéo sur Clash Royale t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner. C'était Tuto Craft Universe, je te dis à la prochaine, allez, peace, ciao.